Então, ele disse, é, o que eu acabei de falar, que não vai comprar, então, ela fazia o posto da porra, que eu acabei de falar, que Olha, gente, Mano, excusei. Alô? Vous m'entendez? Oui, délégué, est-ce que vous avez reçu notre fichier de présentation? Parce que après ça, c'est nous qu'on passe. C'est nous qui passons. Oui. Vous avez envoyé ça à qui? C'est Foura, je crois. Avant le coup même. Oui. D'accord. Oui. Comment? C'est le 49-41. Oui, c'est ça. Ah, OK. Merci. Voilà, groupe 1, allons-y. OK. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers amis. La dernière fois, nous étions devant vous et nous allons vous présenter la suite. Vous avez le modèle conceptuel, on peut se donner 10 minutes. Hein. OK. Madame, si c'est dans un modèle pour cette association, et ici nous avons défini nos cardinalités. Ici nous avons deux cardinalités simples, complexes, et quatre cardinalités complexes, complexes. D'accord. Retenez. Voilà, donc déjà, ensemble ici, on va voir déjà comment les tables vous avez. On va que vous nous envoyez dans les tables. Donc, si on prend le cadre complet, vous avez les tables au niveau relationnel, au niveau des classes d'association, il y en a combien? Deux, Il y en a sept. non, sept Il y en a sept classes. Maintenant, au niveau des associations, vous avez 14 associations complètes, complètes. Donc, ça fait déjà 14 tables au niveau des associations. Donc, sept sur quatre, ça fait combien? onze. Ça fait 11. Maintenant, vous avez trois tables complexes simples. N'est-ce pas? Donc, c'est à trois tables complexes simples. Et à ces trois tables n'existent pas. Donc, on a toujours 11 tables, mais il y a des clés primaires, et clés primaires de certaines tables qui doivent migrer vers d'autres. C'est ça? Donc, autant que vous ne comptez pas. On est d'accord déjà. Donc, allons-y sur. Okay. Donc ici, on a essayé d'établir les relations. Oui. Donc on a un tableau avoir et varié. Oui. Donc on a identité, époque, idée, époque, et puis maths, Oui. production. On a un tableau impacté, dépend, maths, production. Et puis, m'a donné un environnemental tableau, impact, qui prend en compte idée, POC, maths, finance, tableau, poussée dans appartenir, code délivré, idée, POC, tableau, pourri, suivi, code élevé, Oui. idée, structure, Oui. tableau, gérer, profiter, idée, structure, maths, finance, et puis tableau, contact, fourni, idée, structure, idée client. D'accord. Donc ici, on a le modèle relationnel, tableau, éleveur. Retournez en arrière pour expliquer quelque chose aux autres. Au fait, ça là, ils ont détaillé tout simplement les différents tableaux qu'on peut avoir au niveau des associations. Donc, c'est maintenant ils vont aller maintenant chercher à mettre la règle de cardinalité en place. Voilà pourquoi est-ce que si on a cette offre exhaustive. Maintenant, allons-y dans la partie. Donc, au niveau de la relation entre les tableaux, on a éleveur, époque. Ici, on a trouvé qu'on avait une tableau simple. Donc, on a Table simple ou bien simple ou complexe. simple, complexe. Voilà, comme On ça. a table simple, complexe. Donc, ici, on a les éleveurs. On va prendre en compte le code élève, nom, élève, Bon, là, pour idée. nous épargner les détails, Maintenant, la on veut table. savoir, voilà. Donc, ici, Ici, qui a été le fils? le fils sort un tap poc. D'accord, donc du coup, il a pris la L'éleveur clé de. va venir livrer au D'accord. niveau de la table poc. D'accord, Donc, c'est bon.
sur la clé principale et puis la clé principale qui est IDPOC, puis la clé étrangère qui est pour autre. La deuxième, on a la relation complexe-complexe qui n'est pas encore donnée, produite. Donc ici, on a la table POC. On a la table POC qui a pour sur la clé principale IDPOC, et puis la table donnée position qui a pour mat production. Oui. Donc, on va produire la table avoir et varier la clé ID pour encore plus max production. D'accord. On a aussi. Ensuite, la relation entre porte et données financières. Ici, c'est une relation simple, complexe. Donc, nous allons avoir deux tables. La première table, c'est la table POC. ID, on a la clé primaire qui est ID POC, table de données financières, clé principale qui est MAD Finance. Maintenant, comme nous sommes en relation simple complexe, donc l'idée du père a migré vers le fils. Donc, pour cela, nous avons ID POC. Ensuite, la relation entre table, la relation entre. Données de production. Non, c'est quelle relation? La table. Table de données de production et les données environnementales. Donc, nous avons la table. Ici, nous sommes dans une relation complexe-complexe. Donc, nous allons avoir trois tables. La première table, table de données de production, dont l'identifiant, la clé primaire est MAT POD. Nous avons la table données environnementales, dont la clé primaire est MAT données environnementales. Et puis, nous avons la table d'association qui est Impact Dépend. Qui réunit la clé des deux autres tables. D'accord. Pour cela, on a mis 10 comme ce sont des clés étrangères. D'accord. Ensuite, nous avons la relation entre éleveur et structure de suivi. Nous sommes en relation complexe-complexe, nous avons trois tables. La première table, table éleveur, identifiant, clé primaire, code éleveur. Table structure de suivi, clé primaire, identifiant structure. Ensuite, la table d'association, recourir, suivre, dont la clé et dont les identifiants sont constitués des deux clés primaires, qui sont les clés étrangères pour elles. Ensuite, relation entre structure de suivi et données financières. Nous sommes en relation complexe-complexe, dont trois tables, on l'a dit. Table, structure de suivi, clé primaire, ID, structure, table, données financières, ID primaire, maths et finances, table d'association, gérer, profiter, constituer les idées des deux autres tables. Ensuite, la relation entre structure de suivi et client. Toujours en relation complexe-complexe, donc nous avons trois tables. Table structure de suivi, idée clé primaire, structure, la table client. La clé primaire, c'est idée client. Et puis la table d'association qui est contactée, fournie et constituée des deux idées de table. OK. Donc, ouais, ici, en résumé, quand vous avez fini comme ça, vous avez un petit peu de temps. Vous regroupez. Ici, déjà, on a. Quand vous l'avez commencé, ça vous fait. Je m'explique. Vous voyez ici, on a cette relation qui est là, on a cette relation qui est là. Vous voyez la table, on se retrouve suivi, la table se retrouve suivi. Vous voyez que les trucs se répètent. Donc, à la fin, vous devez faire un résumé. Vous devez avoir un résumé. Pour que les éléments, si on vous dit de renseigner ça, vous dites vous-même de vous faire de l'ordre. Vous voyez qu'en bas, on me commande de vous faire demander combien de tables on a. On a 11 tables. Donc, à la fin de tout ça, nous acceptons l'explication. C'est déjà bon. À la fin, vous devez normalement mettre un résumé pour montrer la liste des 11 tables. Ce sont ces 11 tables-là qu'on va aller mettre dans le modèle relationnel et on va renseigner. Ça dit ça, ça, c'est toujours la même table. Tu sais, ça se répète, c'est toujours pas la même table. Tableau est donné. Peut-être que tu parles d'un tableau. C'est simplement au niveau des cardinalités. Les associations, on aura trois tables d'associations. Et puis maintenant, les autres associations peuvent disparaître pour migrer vers les trucs, comme vous l'avez fait. Donc, les autres, voyez cela. Il faudrait qu'il y ait un résumé à la fin. Donc, quand vous allez prendre votre PowerPoint, peut-être le résumé à la fin, j'aurais besoin de ça. Le résumé, il va avant que l'autre. Non, non, je vais donner une note. J'attends le résumé de la dernière table. Non, 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 vous avez compris, non? Non, 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 non,
Voilà. Comme ça, c'est posé, c'est pas grave. Pendant que les postes sont dans les patrons, ce que les béants, les gens, les gens, les délégués m'ont beaucoup le fichier avec les travailleurs. Donc, je vais le regarder dans le groupe pour compléter encore les notes. Les résumés des derniers temps. Maintenant, le groupe qu'on fait le résumé des derniers temps, personne n'a fait ça. Personne n'a fait le résumé. Moi, j'ai envie de résumer ça derrière. Le résumé là. Par exemple, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 7 tables totales. Tout ce qu'ils ont fait, c'est les détails. Donc, quand on a fait le résumé, quels sont les 7 tableaux qui doivent être présentés? On est en ligne. Les trois identités avec la situation. C'est ce qu'on avait fait. Je suis sûr qu'il y a un qui a fait comme ça. Eux, ils n'ont pas fait, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais juste qu'il y a un groupe qui a fait ça, donc ça nous permet de comprendre. Voilà. Mais vous avez compris ce qu'il y a. Donc, un peu, ça sort tout à l'heure pour vous faire un avis. Merci, vous avez besoin de 10 minutes. Donc, question. Si n'y a pas de questions, vous avez eu des difficultés, ça va. C'est bon, à votre niveau, vite. Donc, question, André. Non, ça va. C'est bon, donc, vous pouvez aller à votre classe. Ok, c'est bon. On a respecté le temps. Merci encore pour le travail, ça a été bien. Donc, vous faites la dernière partie. Et puis, je vais prendre ça. Ensuite, le groupe 2. Vous qui êtes en ligne, oui. On peut commencer par vous. Oui, oui, on peut commencer. Après, on continue. D'accord. Si vous n'êtes pas prêts. Si, nous sommes prêts. D'accord, donc allons-y. On peut passer par vous déjà. Le groupe 2, c'est pour créer un système de gestion au niveau des logements à Abidjan. C'est ça, non? Des logements, voilà, effectivement. C'est là. D'accord. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que c'est le nouveau fichier? Ah. Ça, il faut aller à la dernière page. La dernière page. Voilà. C'est qu'est-ce que tu non. Continues. C'est pas ça. C'est pas... Non, pas non. C'est pour ça. Pour je suis dans la clé. Groupe 2, Fouad. Ils n'ont pas continué sur le même truc. Non, on a... madame, on a envoyé un nouveau. Tu connaissais un nouveau. Il y a un nouveau fichier. Il y a eu de la correction. Quoi. Mais t'as mis ça. Oui, effectivement. Ah, vous avez demandé sur la correction là-dedans. Le nouveau fichier, c'est ce que je veux. C'est ça, non? Il fait pas ça. Voilà, dernière page. Voilà, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Okay. Non, sur vous, la dernière page, je vous ai fait des remarques. Où j'ai fait des remarques à vous, on commence par là. Voilà, c'est la quatrième. Le quatrième slide, en commençant par l'Afrique. Le quatrième slide, OK. Ici, non? Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Vous n'avez pas établi un dictionnaire de données. Non, maintenant, vous avez établi. On l'avait établi, mais on l'avait pas intégré dans le PowerPoint. Ah, d'accord. C'est bon. C'est bon. Excel. Oui, oui, va à la suivante. Non, non, reste le... Va, voilà. Je suis en train de visualiser des choses. Au niveau des visites, oui. Je voudrais comprendre quelque chose dans votre dictionnaire de données. Je vois qu'il y a trois ID. Il y a trois ID là. Le câble. Il devant. Non, c'est un. Oui, oui. Donc, il y a trois ID au niveau des visites. Est-ce oui. Que vous comprenez un peu pourquoi il y a eu trois ID là? Attends, ça va s'afficher. Dans ce cas, c'est moi qui ai déplacé. Après, il va pouvoir régler le problème. Il va Vous voyez l'écran? Oui, oui. OK. Visite ouais. La terre, une classe d'entité de la présentation. Non, non, madame. Bon, y a un truc à poser là-dedans. C'est que oui. la clé primaire. Oui, parle un peu, quoi, s'il te plaît. La clé primaire de visite, c'est ID visite. Oui. Voilà. Maintenant, on tente de faire la. Le modèle relationnel, c'est là qu'on a ajouté, on a oublié d'ajouter ça ici. Sinon, c'est la clé étrangère, en fait. Ah, ça a été, c'est... Oui, oui, ça a été fait par omission. Normalement, c'est pas ici que ça doit être. D'accord.
D'accord, c'est bon. Donc, on peut continuer. Voilà, c'est pourquoi j'ai attiré votre attention. D'accord, donc on continue. On peut avancer? Okay. Oui, on peut avancer. Donc, avancer. Okay. Où il y a eu la connexion? C'est ici? C'est sur le... Non, derrière. Ah bon, d'accord, ok. Voilà, c'est là. On devait revoir certaines cardinalités et puis les associations d'entités. Oui. Voilà. Les connexions que vous avez portées, c'était sur les associations puis certaines cardinalités, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, entre Bougement et propriétaire, on est passé d'une relation de 1 à 1 à une relation de 1 à 2. D'accord, c'est compris. Maintenant, donc c'est ce que vous allez exploiter normalement, c'est ça, non? Oui, c'est ça qu'on va exploiter. Voilà. Donc ici, normalement, avec ce modèle conceptuel, à vue d'œil, quand on regarde, vous avez tellement d'associations. Il y a combien d'associations complexes? Ça va nous permettre de savoir il y a combien d'étapes d'associations on peut avoir. C'est 9, non? On avait compté 9. Complexe à complexe, vous avez combien d'associations? 9. Complexe à complexe, c'est 9 associations. Donc, ça fait déjà 9 tables d'associations. C'est ça? Oui. Si vous allez sur la page suivante, vous allez voir plus les détails là-bas. Non, on va voir ensemble d'abord avant qu'on ne parle dans les détails. Quoi. Là, d'accord. Ça permet de. Maintenant, au niveau des 5 complexes, vous en avez 2. Si 8, logement, 5 complexes, logement propriétaire. Oui. 5 complexes, on a 2. Logement pour. Mais qui n'ont plus de dette. C'est ça, non? Il n'y a pas compris. Il a dit vous avez 2, 5 complexes. Le câble. Mais qui n'ont plus de dette. Si, ils existent. Ils ne sont pas supprimés, n'est-ce pas? Non, ils ne sont pas supprimés. 5 complexes. 5 complexes, ça reste. Le logement et puis le propriétaire. Et puis le logement et puis l'agent immobilier. L'agence immobilière. Attention, est-ce que si je suis au tableau que vous voyez, par exemple, quand je prends 5 complexes, par exemple, je prends l'association appartenir possédée qui relie logement et puis propriété. Oui. Voilà. Ici, nous sommes dans une relation 5 complexes, n'est-ce pas? Oui. Ici, dans cette relation 5 complexes, on peut écrire les tables ici, ça fait combien de tables ici? Justement, seulement pour ça. Ça fait 2 tables. Ça fait 2 tables. Donc, tu vois que la table de l'association n'a plus sa place d'être. Ah, d'accord. C'est de ça que je parlais. Non, hey, mais on... la slide suivante. On ne l'a pas mis. Vous ne l'avez pas mis, d'accord. Ok, non. Donc ça fait toujours 9 classes d'association. Non. 9 classes d'association. C'est 7 classes d'association. 7 classes. Vous avez combien de classes complexes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, moi je vois 7. Ah, 7, d'accord. Moi je vois 7. C'est 6? 1, 2, 4, 3, 4. Je dis que moi je pense qu'il y a, nous avons 7 en fait, 7 classes d'association. Moi je vois 7. Moi je vois 7. Et puis c'est 7, c'est ce qu'il y a dit. 7. Et puis maintenant, quand je prends au niveau des classes d'association, vous avez combien? Pour nous enlever de quelque chose. Tu veux essayer. C'est bon? Peut-être que le père n'est pas connecté. Maintenant, tu as connecté. Il est juste à le connecter. Il est juste à le connecter. Comment? On va voir le bruit. Ah. Oui, on n'était pas d'ici, ça vient d'ici. Le nom, il est là. Apparaît à lui. Mais si ce n'est pas Josora, il va connecter. Pas Josora. Okay. Quelqu'un peut passer avant qu'il ne parte. Il m'a dit, il ne va pas durer. Peut-être que l'autre parler n'est pas connecté. On n'est pas venu les tout ça pour nous partir demain. Donc, vous voyez, on a combien de classes d'association? Combien de tables au niveau on appelle ça, des trois entités? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 fois plus 7. C'est ça. Ça va faire combien? 6 classes d'entité. Avec 13 classes.
S'il y avait les deux classes d'association qui s'ajoutaient, ça devenait combien? 13, 14, 15. Donc, vous voyez qu'à cause de la cardinalité simple complexe, qui saute. Donc, au lieu de 15 tables, ils ont 13 tables. Le premier groupe a eu 11 tables. C'est ça, non? Parce qu'il y a 5 simples complexes. Vous avez supprimé toi. Donc, normalement, ça devrait être 10 tables. Si on devrait faire des fonctions simples, ça devrait être 10 tables. Mais à cause de la règle des cardinalités, il y a 3 tables qui sont partout au niveau des associations. Donc, c'est devenu. Est-ce que vous voyez? C'est bon? D'accord. Ça m'a permis de voir combien de tables, on peut aller dans les détails maintenant. Allons-y, on peut continuer. Le nom, c'est le nom là, je suis. Le nom là, ça doit être Logitech. Allô, on peut continuer ou bien? On peut essayer d'augmenter le volume. Ah, ok. C'est le truc qui n'est pas allumé. Le son est sur l'ordinateur actuellement. Donc, c'est comme ça, l'ordinateur du son qu'on travaille. Pas... du son est normatique. Sans doute. Le maximum. Le maximum. Vous êtes là. C'est branché. On va pas allumer si elle bleue. Normalement, on va pas allumer si elle bleue. Non, 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 pas venu voir. Pendant qu'on continue. Non, on peut continuer. Le temps que hier. On continue pour voir au slide suivant. J'aime arriver pour voir si vous pouvez aider à connecter ça sur le film. Il faut plus mieux son temps. On a été implanté même. Attends, je sais bien. Il n'agit plus. On a été votre regard. Ça nous faut qu'on ait fait votre la prochaine qui se rencontre. Merci. Non, pourquoi ça lui a de bleu, non? Normalement. On va plus brancher. Non, on va pas regarder tout ça. Comment vous parlez, on n'entend pas. Non, il nous entend. Quand on parle, on entend que. Ça ne passe pas sur l'appareil. Voilà. Non, on entend difficilement. Donc, ça peut prendre les enfants pas bien. On est en train de faire une évaluation. Ça pourrait passer. Il n'y a pas de problème. Ok. Monsieur Sandou, vous allez parler pour voir. Parlez pour vous. Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend, oui. D'accord, on peut continuer.
D'accord. Oui, c'est au maximum. Alors. Oui, on peut tout En fait, normalement, le truc n'est pas lui. Par contre, on doit connecter le truc. Par ici, voilà. Madame est votre nom, vous pouvez s'appeler Logitech. ça peut traduire ce modèle en table relationnelle. Ça, Non. oui. En fait, on a voulu résumer tout ça en un schéma, pas en des textes, même en des écrits. Vous C'est l'avez l'idée qui est derrière. Comment? Non, vous l'avez laissé sous cette forme de schéma là-bas. Non, avec les clés étrangères, et les clés primaires D'accord. dans le temps. Et puis D'accord. les. C'est ce que j'essaie de vous faire. Comment? Donc, je dois avoir, ce sont mes tables qui sont là, là. Une, deux, trois, Pour quatre, les tables. cinq. Donc, Voilà, c'est l'ensemble des tables deux, trois, quatre, cinq, qui est là. six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Ce sont les 13 tables. D'accord, oui, c'est bon. Voilà, sur les 13 tables. Ce sont les 13 tables. Donc, vous voyez, au niveau, ils ont laissé la table sous forme de schéma. Vous voyez ici, où vous voyez des aides qui s'ajoutent, qui sont en bleu, sachez que c'est dans les modèles, dans les cardinalités simples complexes, où les autres migrent vers les autres. C'est dans ce sens-là. Maintenant, où il n'y a pas du tout, c'est que c'est dans les relations complexes, complexes. Donc, vous voyez, les cardinalités, au niveau des associations, sont restées telles avec leur identité qui vient s'ajouter. Vous voyez, dans le modèle. Ils l'ont laissé sous forme, comment dans un fichier Access, comme s'ils voulaient rentrer dans un fichier Access. Ça, ce n'est pas pour l'enseigner. Pour pouvoir l'enseigner, il faudrait qu'ils le mettent en table, en ligne horizontale, pour pouvoir l'enseigner. Celui qui est en ligne. Oui, connaissez d'où? Connaissez d'où? C'est ça, non, monsieur Saint-Louis. Ce que j'ai dit, c'est ça, Oui, c'est ça, effectivement. voilà. Donc là, ils ont juste montré le schéma de façon comme si c'était dans un fichier Access. Mais il Faut expliquer un faut peu. pouvoir le renseigner pour pouvoir l'écrire de façon horizontale, pour pouvoir faire les données, les données, les informations. Et, donc, question? Si vous avez des questions, s'il n'y a pas de questions, on peut vous laisser. Yann n'a pas pu le problème. Non. Oh, c'est que Messi l'a vraiment. D'accord. Donc, on vous remercie. C'est Ah, toujours. parce qu'il y a des suggestions ou bien il y a des trucs à corriger là-dedans. Non, non, non. Vous avez respecté les règles. C'est D'accord. pourquoi j'ai voulu de l'autre côté derrière savoir combien d'étapes j'ai. Quand c'est qu'on a, ça me permet de mieux savoir. Quand vous quittez là-bas, vous venez faire le résumé, je me perds, puisque les cardinalités ne sont pas devant moi. Ah, Ok, les cardinalités, déjà, je sais combien de tables il y a. En fonction de cette table, j'ai déjà déterminé le nombre de tables. Quand vous venez là, je vois. Donc, c'est ce qui m'a permis de comprendre le schéma. Il n'y a pas de questions, c'est bon. merci. S'il y a une question que je peux poser, ça, c'est pour vos collègues, pour qu'ils puissent mieux comprendre. De mon côté, c'est Oui. vu qu'il y a eu deux fonctions, deux cardinalités qui ont été supprimées, deux classes d'association qui ont été supprimées, n'est-ce pas? C'est ça, non? Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Effectivement, On a dit c'est là que propriétaire et logement, entre le propriétaire et le logement. au fait, les deux classes d'association qui ont été supprimées, voici leurs trucs qui sont venus. Il y a eu la première classe d'association, simple complexe. Son ID est venu. Et puis la deuxième classe d'association, parce que dans leur truc, ils se liaient. Il y avait soit la classe d'association là, qui liait plusieurs classes d'entité. Vous voyez que pour l'autre classe d'association aussi, simple complexe, parce que son ID qui est venu là. C'est ce qui fait qu'on a deux ID seulement, des classes de clés étrangères chez logement, et puis plus le ID mémoire du logement. Vous voyez, le fait d'avoir mis en couleur, c'est beaucoup plus sincère. Parce que ce sont les deux clés étrangères qui viennent de deux classes d'association. Ce n'est pas une seule classe d'association qui a envoyé ça là. C'est deux. Vous voyez maintenant. Est-ce que vous pouvez vous expliquer par ceci? D'accord, bon, merci beaucoup pour l'équipe. Merci, maman. Merci, c'est un bon travail. Je vous en prie. Ok, donc, équipe 3. What? Shiba. Ils sont là. Équipe 3. C'est le groupe des Kalipogi. Ils sont là? C'est pas. Siba. Oh, tu es où? Bon, il n'y a pas quelqu'un pour présenter le travail. Bon, on continue en attendant que peut-être ils viennent. Le groupe 4. Allez-y. Donc, il y a le groupe.
Allô? Allô? On ne vous entend plus. Vous avez 10 minutes, vous aurez 10 minutes. Alors, madame. Moi, je m'appelle. Bon? Non, il n'y a pas de Nos amis ont travaillé sur la gestion du tourisme en Côte d'Ivoire. Ils avaient posé le problème. Pourquoi ils ont voulu de créer une base de données? J'ai eu un peu des corrections. Oui, madame. Là, ici. Déjà, au niveau de la taille. De la taille, non, c'est bon. C'est bon, c'est résolu. Okay. Donc, si, c'est bon. Voilà, c'est bon. Oui, c'est important. Là, il n'y a pas eu de gratification. C'est bon. Voilà, ici, vous avez être associé. Oh, oui. D'accord. Donc, si, voilà, allons-y maintenant. OK. Voilà, c'est bon. Madame, au niveau de notre modèle, oui. Nous avons... Avant de commencer, pardonnez, on va résumer, voilà. Pour voir combien de classes nous avons ensemble. Donc, quand on prend les classes sortes d'association, on a combien d'étapes? Ça fait des habitats. Oui, madame. Et puis maintenant, au niveau des les classes d'entité, les classes d'association, maintenant, on aura combien de tables? Complexe, on en a combien? On a 4 classes complexes. Complexe, nous avons 4. Donc, ça fait 4 plus 6, ça fait déjà 10. C'est cela. Et puis maintenant, ensuite. Et si on a une population simple? Non, non, nous avons. Oui, complexe simple. Vous avez deux. Donc, le E sans deux, non, ça compte au total 10 tables. Donc, au lieu de 12 tables, vous avez 10 tables. Donc, au niveau des relations complexes, nous avons la relation site touristique événement culturel. Donc, au niveau des attributs du site touristique, nous avons la clé primaire pour les doctrines du site. Parlons seulement des clés. Donc, quelle identifiant du site. Maintenant, pour l'événement culturel, oui. Nous avons l'identifiant de l'événement, aussi la clé primaire. Donc, la table d'association, qui est donc contenu participé, constitue les différentes clés primaires des, deux classes. D'accord. Après cela, nous avons l'association événement culturel hébergement, avec les clés primaires, événement identifiant de l'événement, avec l'identifiant de l'hébergement, qui fait l'association associée, dont les clés primaires sont identifiant de l'événement, identifiant hébergement. D'accord. Bon, au niveau de
De la troisième association, nous avons l'association site touristique réservation. C'est ça. Réservation, toujours dans le cadre de la relation type complexe complexe. Donc, pour le site touristique, nous avons l'identifiant du site, qui est la clé primaire. Pour la réservation, l'identifiant également, qui est la clé primaire. D'accord. De ces deux associations-là, découle la troisième, qui considère. C'est deux classes d'entités. Ou deux classes d'associations. Voilà. Donc, la classe qui est l'association recherchée, réservée. Avec les deux clés primaires des deux entités. La quatrième, nous avons l'association réservation utilisateur avec les clés primaires, l'identifiant du réservoir et puis l'identifiant de l'utilisateur. Ce qui crée l'association confirmée et interrogée avec les deux clés primaires, réservation et l'identifiant de la réservation, l'identifiant de l'utilisateur. D'accord. Maintenant, au titre de la relation complexe, simple complexe. Voilà, ici nous avons deux classes d'entités, une qui est une réservation circuit touristique et puis deux classes d'entités qui sont en réservation effectivement. Concernant la première classe d'entité qui est en haut réservation, la clé primaire ici est l'identifiant de la réservation. D'accord. Donc nous voyons ici que la réservation est le fait. Non, dans le principe, nous sommes dans une relation simple et complexe. C'est au niveau de la réservation. C'est cela, madame. Donc, au niveau de la réservation, nous avons remarqué que l'identifiant de la réservation va migrer vers le fils, qui va devenir ici la clé étrangère. Donc, madame. Concernant la troisième classe d'entité qui est réservation, ici, la clé primaire sera l'identifiant de la réservation. Oui, oui. Qui est ici le père. Oui, oui. Qui va migrer vers l'hébergement qui est le fils, qui va devenir une clé étrangère. D'accord. Donc, au total, vous avez pu faire le résumé? Non, madame. Donc, on fait le résumé. Montrer les tableaux. Les autres, l'autre groupe qui est passé, ils ont fait le résumé sous forme de schéma. Vous n'êtes pas obligé de faire le résumé comme ça. La manière vous avez fait de façon horizontale, vous pouvez faire le résumé. C'est-à-dire que les tableaux, vous faites ressortir les tableaux de façon horizontale. Donc, vous faites ça, vous ajoutez à vous. Ok, merci. Donc, à votre place, merci beaucoup. C'est le coup qu'on est. Voilà, vous envoyez l'information aux autres. Vous l'avez envoyé l'information aux groupes dans le groupe, il y a eu des connexions. D'accord. Allons-y, où il y a eu les où j'ai eu à parler des au niveau des identités. Ah bon? C'est là, vous n'avez pas tous les occasions. Est-ce qu'au niveau des noms, on va t'en aller là où il y a d'accord. Ok, d'accord. Au niveau des clients, on a pris comme nom client d'accord, la clause de mer, donc la suite de chaque jour à la fin. Je vois. Évitez les accents d'écouter. Non, allez pas chacun. Après, on va arrêter l'enregistrement, on va reprendre. Ah bon? Ça passe. Quoi, arrêter? Tu vas au bout là, tu arrêtes et puis tu arrêtes.